quand on est jeune, et je discute avec eux, il y a beaucoup de jeunes qui ont de plus en plus ces rêves prémonitoires. Mmh. Et même ma fille en métropole, elle a beaucoup, elle a, c'est impressionnant. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous conditionne aussi, le monde nous conditionne dans tout ce qui est informatique. C'est bien l'informatique, hein, ça se développe, c'est bien, ça crée des emplois, tout ça, je suis d'accord. Mais ça nous empêche aussi à notre cerveau d'évoluer. Parce que j'ai l'impression qu'on nous met dans un tube et on nous oblige à penser à ça, alors que notre cerveau... C'est pour ça que quand je vois, par exemple, c'est un truc tout con, hein, les dons de sagesse. Avant, on ne les arrachait pas. Tous les jeunes de maintenant sont obligés de les enlever parce que notre morphologie se modifie aussi. Je veux dire, et ça, je trouve... moi, je pense que la société, on vit dans un monde on nous oblige à penser. Ça, c'est comme le lait de vache, là. Il y a un article qui passe. Est-ce que ce on-là. c'est les autres. Les autres. Ben, c'est ce on-là. C'est toi. Ah non, c'est moi. C'est nous. C'est nous, voilà. D'accord. Maintenant, il y a ce on-là, il crée le passé. Et avec ce passé, il crée le futur. Oui. Et dans cette conscience globale, parce que moi, ce que j'observe là, c'est que dans cette conscience globale, on prend le passé, on le met au goût du présent pour le projeter dans le futur, et on crée le monde qu'il y a là. Et là, dans ce monde qu'il y a là, on dit, on ne nous laisse pas faire. D'accord ? Alors qu'on est à l'origine des projections de ce on que nous sommes profondément. On est ça ! On n'est rien d'autre ! Tu sais, on est dans un système où il y a un président, où il y a une hiérarchie, etc. On l'a créé, on l'a projeté depuis des millénaires. D'accord ? Maintenant, ce dont on est en train de parler, ensemble, c'est quelque chose qui ne se soucie pas de demain. Qui ne se soucie en rien de demain. Parce que la CIA, tu sais, elle emploie des gens qui voient dans le futur pour pouvoir prévoir encore des choses. Mais on est encore en train de créer du conditionnement comme ça. Tu vois ? Mais là où on lâche prise de ça, tu sais, on dit ni passé, ni futur, et on reste à ce qu'il y a là, et ben l'individu qui fait ça, il a cessé de reproduire tout ça. D'accord. Mais maintenant, le gars tu envoies ton CV de temps en temps à des employeurs. Oui. Bon. Vas-y. Dis-moi. Excuse-moi, mais c'est une information que j'ai eue aujourd'hui par toi. Hein. Oui. Et donc et outrageusement, je l'utilise là. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais on est obligé de tenir compte de l'avenir, de demain et d'après-demain et dans 10 jours, etc. Mais dans l'instant où j'envoie ce CV. C'est pas pour autant qu'on va être absolument aliéné. C'est en fait ce que Roger. Nous incite à faire, c'est de nous libérer de conditionnements qui nous oppriment, quoi, qui nous ont. Regarde, il y a deux manières de voir une action. J'ai quelque chose à dire. Vas-y. Parce que sur tout ce qui vient de se dire là, il y a plein de choses qui ont été. Énormément de choses. Il y a plein de choses. Et je pense qu'il est très important à nous tous de voir quelque chose, peut-être qu'on n'a pas vu. Okay, juste, je vais mettre un truc là. Elle disait qu'elle a des moyens de percevoir prémonitoire, de voir des rêves prémonitoires. Mais je vous dis, vous voyez, on a une société aujourd'hui. On peut tous l'observer, cette société, chacun d'entre nous. Hein. On sait qu'il y a des guerres, on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim. On voit comment nos comportements, les comportements de nos gouvernements font. Hein. Et je pense que même un enfant, il n'a pas besoin d'être un prophète pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Oui, mais quand on voit des avions qui vont écraser... Attends, laisse-moi aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant ou l'être humain qui vit dans cette société-là, tu sais, tout ça, on a une vision globale de la conscience. Cette conscience, c'est le passé. Ce que nous sommes, c'est le passé. Et n'importe qui est un peu alerte, ok, alerte, je dirais, et bien, s'il va dans cette conscience-là, il peut voir des choses. Chacun d'entre nous a cette capacité. À la fois dans le passé, très loin, oui. Et à la fois dans le futur. Voilà, parce que dans le présent, il y a le passé et le futur qui est là.
Et ce que nous sommes là maintenant, okay, ce sera demain. Demain, ce que, si nous ne changeons pas maintenant, ben, tu peux prédire que demain, ce qui va se passer, tu seras toujours malheureux, tu n'auras pas de joie, puisque tu vis toujours pareil, tu n'as pas changé. Maintenant, si maintenant, tu vis ce qui vient, tu oublies tout, tu ne regardes plus tout ça, mais tu regardes ce qui se passe là, et bien tu vois, cette énergie qui est là, c'est l'action du présent. Et ce présent-là, il est présent hier, il est présent demain, et il est présent tout le temps, et il est éternel, il ne peut pas changer. C'est seulement quand on s'identifie au passé, et qu'on voudrait vivre un présent qui représente le passé, eh bien, on ne peut plus être. On va devoir devenir. Et notre monde, il est fait que de ça. On va devenir. Et, je rejoins, et c'est possible. Je comprends ça. C'est possible de voir les choses qui vont se passer tout à l'heure. Yes. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Ouais. Personne. Et c'est ça qui est important de savoir. La chose la plus importante de savoir, c'est ce que tu es là maintenant. Parce que sans, quand tu sais ça, eh ben, tu peux éviter toutes les catastrophes de toute la planète, de tout l'univers. Il y a l'ordre qui s'installe. Parce que tu es en harmonie avec toi-même. Tu es là. Mais tu as quand même des intuitions. Des fois, ça arrive que je roule et je dis, bon, là, il faut, à cette intersection-là, il faut absolument, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je ralentisse. Il faut que je ralentisse, parce qu'il faut... Donc je ralentis, et il y a une voiture qui arrive comme ça, et qui freine, qui a 5 cm, quoi. Et c'est des fois, on a des intuitions. Bon, beaucoup de femmes ont des intuitions, plus que les hommes, je pense. Vous avez des intuitions qu'au carrefour? Non, je ne dis pas. Oui, on dit qu'on a notre sixième sens. Comme les animaux qui arrivent à percevoir... Il y a des animaux qui arrivent à percevoir les tsunamis. Oui. Oui, et pas les êtres humains parce qu'ils ont perdu cette capacité-là d'attention. Ouais, ouais. Mais ce dont on parle ici, c'est quelque chose qui est encore, tu sais, une étape plus loin. Est-ce que je peux envoyer un CV, d'accord, sans me soucier de ce qui se passera demain? Oui, voilà. Et est-ce que je peux envoyer un CV? Parce que j'envoie des CV là, chercher un CDI, ça intéresse quelqu'un. Si tu cherches, si tu poses une candidature, ça veut dire que tu as une attente. Exactement. Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose sans attente? Si. Vas-y. Une bonne action, par exemple. Enfin, je dis bonne action, c'est du coup, c'est déjà très conscient, tu vois. Mm-hmm. Mais ça, je pense que ça nous arrive tous. Je sais pas, face à une personne, je prends son sourire. Mmh. Je la regarde, elle a un sourire incroyable. Je sais pas, ça me rend heureuse. Du coup, j'aimerais trop la voir sourire tout le temps. Mais sans rien vraiment attendre derrière, en fait. Mmh. Mais tu deviens pas dépendant d'elle, là? Non, parce que, en fait... Parce que si elle sourit pas, tu seras malheureuse. Non, pas forcément, parce que, en fait, depuis tout à l'heure, on parle, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de nous, de chaque individu, même si le sujet c'était le lien entre de chacun, pas de la société ou de nous êtres, de tous. Mais en fait, toi tu as parlé de bouddhisme, et moi je suis bouddhiste aussi. En fait, dans le bouddhisme, il y a une chose, c'est qu'on s'identifie par rapport aux autres, en fait. Toi, l'autre fois, on t'a rencontré au Massalé, tu as parlé de l'autre, l'autre et toi. C'est comme ça on vit. Enfin, pour les bouddhistes, on vit... des fois, on dit que, ouais, on vivait pour les autres, comme les Japonais, on vit en groupe, tout ça, on s'identifie par rapport au groupe. Mais c'est pas exactement comme ça, en fait. C'est qu'on vit avec vos bonheurs, avec vos malheurs, on vit avec vous. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on vous suit tous. La proposition, c'est ce que je suis, tu es. Voilà. D'accord. C'est ça. Voilà. Et là, dans cette proposition-là, dans cette phrase-là, il n'y a pas d'identité de l'un et de l'autre. Il y a juste l'être. Apparemment, ouais. D'accord. Et dans cet être, on se rejoint.
Voilà. Voilà. C'est ça le lien, en fait. Voilà, le lien. Et c'est là où, au-delà des frontières, on prend conscience qu'on est le même, maintenant. Ce qu'on observe, là, quand on revoit le monde tel qu'il est, et qu'on a projeté, tout ce qu'on peut voir, c'est la division. On est d'accord ? D'accord ? Donc, on revient à l'origine de cette division. Parce qu'on ne peut pas dire « je vois l'unité ». On ne peut pas poser le doigt sur quelque chose qui est là. À mon regard, tout est divisé. Mais juste la conscience que je vois les choses de manière divisée fait émerger l'unité. C'est pas faux. C'est vrai qu'il faudrait que nous, on existe déjà. On existe nous-mêmes déjà. Oui, pour de vrai. Pour de vrai. Ouais. En fait, tu ne peux pas être heureux si l'autre est malheureux et que si toi, tu es malheureux. Vous êtes d'accord avec moi? Même si vous êtes très heureux, vous êtes adorable, tout ça, mais si j'ai une tristesse dans moi, personne ne sera heureux en moi. Oui. C'est ça en fait. Le dilemme, c'est comment faire pour que toi tu es heureux et vous tous vous êtes heureux et moi aussi. C'est ça le dilemme. Est-ce que tu n'es pas en train de dire que nous, les humains, si on était, je dis bien si on était unis en un seul, et ce que tu disais là, ça devient un fait réel. C'est pas quelque chose qu'on imagine. Mais c'est réel. Non, mais attends, je comprends. Mais là, dans notre monde, ce que tu vois, puisque, comme tu dis, personne ne peut pas être heureux, puisque c'est pas un fait. Oui. Hein? Maintenant, si on pouvait le voir réellement, okay, cette unité, que toi et moi, c'est la même chose, et je peux pas me diviser de toi. Je peux que être uni. Et dans l'unité, tu vois, quand j'arrête de faire la division à l'intérieur de moi, c'est-à-dire, la division se passe comment? C'est-à-dire, je dis, ça c'est mon ego, ça c'est mon égoïsme, et bien je vais le combattre. Donc, à l'intérieur de moi, il y a une dualité, puisque moi ne veux pas de moi. C'est ça. Hein? Donc, c'est vachement dur. C'est inexplicable. C'est comme on disait tout à l'heure, Laisse-moi finir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vouloir. Voir ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vouloir. On ne peut pas le faire parce qu'on l'a voulu. Oui. Et le vouloir, ça mène à ça. Je laisse continuer. Non, ce que je voulais dire, c'est que cet état-là de ne plus d'être uni en soi, ça crée qu'il n'y a plus de dualité. La dualité, ça veut dire toute la tracasserie de soi pour devenir ce qu'on n'est pas. Là, il n'y a pas la joie. Mais dans l'harmonie de soi, quand tu n'as pas de dualité, il y a la paix. Il y a la joie. Peu importe si le monde est en rivalité, tu peux avoir cette joie d'être. La joie d'être en harmonie avec toi-même, avec ton être. C'est-à-dire que tu n'es plus en rivalité. La vraie joie de l'être humain, c'est de trouver cet état de paix où il n'y a pas les pensées qui convergent et qui se bagarrent entre elles. Donc ça, c'est une attente. Non, justement, c'est ce que tu dois vivre. En fait, y arriver. C'est pas une promesse. C'est une réalité présente. Oui, c'est compris, il n'y a pas de promesse. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas y arriver. Mais on veut tous y aller quand même. Voilà, alors ce « je veux tous y aller », il faut qu'on abandonne ça. Parce que ça ne peut pas se faire quand on veut tous y aller, il n'y a pas de chemin et personne n'y arrivera parce que ce qu'on veut, c'est moi, c'est toujours l'ego qui veut quelque chose qu'il n'a pas. L'ego n'a pas ça. Il faut justement qu'il abandonne son activité. Il faut voir que c'est une réalité présente, c'est-à-dire que c'est là. Ce n'est plus à aller à chercher. Moi, j'ai une question à te poser. D'abord, juste par ce que tu dis, je vais rebondir à ce que tu as dit par exemple tout à l'heure. Quand on enlève toutes les étiquettes, oui. C'était ça tu disais, quand on enlève toutes les étiquettes de la personne, est-ce qu'on le rejoint cet être? Voilà, bien sûr. C'est ça. Voilà. Et c'est là que cette joie existe, ouais. Et là que cette paix est là, voilà. Parce qu'il n'y a plus de conflit, parce que j'essaye pas d'être ce que je suis pas. Okay. Donc tu vois, c'est comme les tablettes de chocolat. Dessus, il y a un emballage, tu sais. Okay. Et puis, le chocolat vient du cacao.
C'est bon, c'est moutu, c'est sucré, c'est parfumé. Imagine-toi. Voilà. On trouvait un ancrage sensoriel parce que là, on est très dans le conceptuel. Dans le conceptuel, on a du mal à atterrir quelque part. Est-ce que si je te donne un emballage de chocolat, si tu le manges, ça va, tu vas sentir le chocolat? Si tu as faim et que je te donne une carte de restaurant, juste la carte, tu peux te nourrir de ça? Non. L'imagination. Je parle vraiment dans le... Oui, mais je parle de, tu sais, dans le réel du réel. La boîte de chocolat, vraiment, tu sais. Il y a la boîte, et là, l'étiquette, c'est l'étiquette du paquet. On l'a déchiré, là, ce que qu'on est en train de faire. On est en train d'enlever les étiquettes, on le déchire. Et dedans, il y a le chocolat. Le chocolat vient d'où? Tu sais, il y a l'usine de production, mais en moins de ça, il y a le cacaotier. Ça vient d'un seul cacaotier. D'accord? Et nous, le chemin qu'on est en train de parcourir, c'est déjà d'enlever les étiquettes. D'accord? De voir que ce chocolat vient d'un cacao, ce cacao ressemble à ça. Tu donnes du chocolat à un enfant. Tu lui dis c'est fait de cacao, il sait ce que c'est le cacao? Il y a du cacao dedans, et il s'est dit, bah le cacao c'est le chocolat, c'est pas pareil, tu sais. Nous on est en train de parler du cacao. Et c'est un truc qui est indéfinissable au regard de celui qui n'avait que l'étiquette. Avec Casino dessus, avec la marque au-dessus. C'est insensé, tu comprends? Et c'est quelque chose qui est évident, la joie ça se goûte et ça se vit. Et la question c'est de savoir, est-ce que dans cet état de joie qui est présente maintenant, t'as l'air joyeux déjà. Voilà, et qui n'est pas demain, dans cet enthousiasme-là, est-ce que je peux envoyer un CV? Ah, c'est